cours était vraiment ennuyant. Ouais, j'avoue. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Hé, Nova, t'es sortie? Ils m'ont, disons, laissé sortir. Laissé sortir? Bon, d'accord, ils m'ont laissé chez moi et j'ai décidé d'aller à l'école. Ça te va? On va dire. Mais j'ai pas vu Rex. Il est où? Rex est disparu. Quoi? Il est disparu? Après t'avoir rendu visite, il ne veut pas rentrer à la maison. Je dois y aller. Hé, attends! Laisse-la. Je suis sûre qu'elle peut se débrouiller seule. Et voilà. Est-ce qu'il est mon père? Il est parti chercher Rex. Ah. Ok. Faut que je m'y mette. T'inquiète pas, je vais rentrer avant qu'il fasse noir. D'accord. Bon. En passant. J'irai pas ta chambre, comme tu l'as demandé. Ah. Merci. Bonne fête, Roxane. Les mains sont toujours pas faits, mais je change rien. Bonjour. Oui, bonjour. Si t'es là pour Rex, eh bien, il est pas là. J'imagine que tu voudras pas ça, alors. Je peux rentrer maintenant? Oui, bien sûr. Rentre. J'ai attendu de dire que c'était tes 16 ans, alors j'ai pensé à toi. T'as vraiment pas dû. C'est juste une année, après tout. Eh bien, ça l'a voulu, j'aurais pu le donner à ton frère, mais je suis pas sûre comme ça, les caniches bleues. Ça serait bizarre de sa part. Quoi qu'il est assez bizarre comme ça. Allez, on va dans ta chambre. Ouais, attends, je te montre le chemin. Donc c'est ma chambre, c'est très spacieux et c'est pas encore peinturé, mais on travaille. Je le mets où, machin? Je le mets sur le lit. Oh, Jason, qu'est-ce que tu fais? Te dire bonjour? Non, ça tu l'as fait en rentrant, c'est beau. Non, allez, juste une fois. J'ai envie d'aller voir. Ça va, Nova? T'es toute pâle. Roxane! Ça va bien? Il faut que je t'explique quelque chose. Alors, explique-toi. Je sais ce qui t'est arrivé à Rex.